il y a une réglementation pour la restauration scolaire. Donc la première recommandation, donc, c'est l'arrêté de septembre 2011, voilà, qui est l'arrêté en tout cas officiel et qui est relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Et une réglementation sur les exigences nutritionnelles, donc on ne fait pas ce que l'on veut. On est bien sur des objectifs nutritionnels qui sont augmenter la consommation de fruits, légumes et féculents. On est bien sur la diminution des apports lipidiques. À Échirolles, c'est au départ, avant de parler du bio ou du local, il me semble que c'est important de rappeler qu'il faut acheter des produits de qualité. On n'achète pas de produits reconstitués, donc quand c'est la viande, c'est vraiment le muscle, et quand c'est le poisson, c'est vraiment du filet. Ensuite, on veille à la diversité donc, des repas et on essaie d'augmenter l'offre alimentaire. On a intégré dans nos menus hebdomadaires un menu végétarien. On lutte quand même contre le sucre et notamment les pâtisseries. On laisse quand même place au plaisir puisque ça fait partie bien manger et puis du sucre et des plaisirs de la vie, mais on n'est plus sur des fruits pratiquement tous les jours. On a une diététicienne au service hein, qui est là un jour par semaine et un jour et demi toutes les deux semaines. Donc c'est aussi son rôle d'aller sur le terrain et de s'assurer que les enfants mangent bien et puis de recueillir aussi leurs propos et pourquoi pas avis et suggestions. Mais les animateurs EHPAD et les ASEM en maternelle ont quand même un rôle important à jouer, c'est d'inciter, de faire connaître aux enfants. L'intérêt, c'est de pouvoir continuer à proposer, je dis bien, des produits de qualité, mais en intégrant du bio, du local, en diversifiant l'offre alimentaire. Les pauses méridium, elles sont un peu différentes parce qu'on a des écoles où il y a 45-50 enfants et puis on a des écoles où on est à 178-180 en élémentaire. Donc, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut deux services, des fois sur deux lieux. Donc, il y a des enfants qui vont manger ailleurs, qui sont transportés, soit en car, soit à pied. Et donc tout ça il faut le gérer sur 2 heures de temps. Donc en général le temps de pause méridienne il se sépare en deux temps, le temps du repas et le temps d'animation. Sur le temps du repas, on essaye d'avoir un animateur par table pour que les enfants puissent goûter à tous les plats, puissent discuter avec les copains, partager. Donc l'animateur il est là pour réguler ce temps-là, pour lancer les discussions, pour ramener au cadre, voilà. Après, on a aussi tout ce qu'on appelle les activités libres, qui sont proposées par les enfants, mais qui seront encadrées par un animateur. C'est-à-dire, il y a un groupe d'enfants qui vient et dit, ah ben, nous, on veut faire tel jeu. Donc, l'animateur sort, joue avec eux. Pour nous, les animateurs, c'est donc d'accompagner les enfants sur un temps de repas où les enfants sortent de l'école, donc ils sont excités au départ, donc notre but c'est aussi de les calmer un petit peu, qu'on puisse manger dans le calme et ensuite voilà, qu'ils puissent se défouler sur le temps d'activité derrière. L'objectif du périscolaire c'est vraiment ce qu'on appelle nous la continuité éducative, c'est de travailler tous ensemble. La pause méridienne s'inscrit dans tous les temps périscolaires, c'est de l'animation, c'est la même chose, c'est pour l'enfant mais avec des contraintes particulières puisque là c'est un temps contraint de 2 heures et on doit à la fois manger, à la fois se reposer, à la fois s'amuser. Le temps du midi c'est vraiment un temps aussi où on vit ensemble comme le reste de l'école, donc à la fois à travers le repas quand je disais que les animateurs étaient là pour que les enfants se parlent, s'échangent et tout ça, autant qu'à travers les animations on vit ensemble, on doit apprendre à vivre ensemble, on a des règles, on les respecte et comme dans l'école aussi.